Ici, on est en train de faire les carbonisations modernes pour faire du charbon. On ne veut pas garder le charbon normal parce qu'avec la déforestation, on est en train de tout couper. Donc on veut quand même limiter la déforestation. Donc toutefois, il faut créer des énergies alternatives en ville pour pouvoir réduire le taux de coupe abusive du bois. Kiyasagu est une jeune association malienne qui a pour objectif principal la lutte contre la désertification et la déforestation. Donc le processus, c'est qu'on a trois fours à carbonisation. On prend deux fours, on met les feuilles mortes et les papiers pour brûler. Et le four d'humilier, on met de la tourbe. Ces papiers, on les prend dans le décharge. On prend le papier et les feuilles mortes, mettre dans le four et après l'allumer. Laisser ces ordures carboniser. Ici, c'est les trois dogons, on les a formés, c'est eux qui vont faire ça. Et après, à leur tour, ils vont former les autres charbonniers pour se reconvertir. On prend ces poudres carbonisées, on tamise la carbonisation et après on le mélange avec des gommes arabiques. Il faut que la solution se trouve au niveau de la demande. Les familles qui ont besoin du bois pour chauffer, qui ont besoin du bois pour cuisiner et autres. Donc il faut réduire cette demande. Il faut amener des énergies alternatives telles que les bûchettes combustibles, telles que les foyers améliorés, telles que les biogaz. Donc tout ceci contribue à réduire un peu cette désertification, donc à stopper l'avancée du désert. On tamise et ensuite on mélange avec de la gomme arabique et on met dans les hassoirs à viande et on obtient les bichets du charbon. Bon, moi les gars, ça fera parce que au lieu à dire qu'on a essayé n'a pas la taille, mais après ma ça parce que les nerfs de doigts au clos duro clos waro des mots gentils qu'on a. Bon, donc on est à autant de la tête mais clos ça va à tête à quoi. Ce charbon est vendu à 100 francs le kilo, qui est moins cher que le charbon du bois. Donc,